Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle émission Road to Fight. Chaque mois, les plus grands champions embarqueront à bord de ce sublime bolide pour un road trip de 26 minutes durant lequel nous ferons étape dans des lieux qui ont marqué leur existence. Pour cette première édition, nous avons choisi le plus grand nakmoué français, Fabio Pinka. C'est parti, on part à sa rencontre. Petit footing, ouais. Pour perdre du poids? Pour s'entretenir. Ouais, okay. On élimine les excès des vacances, donc c'est vrai que... Alors écoute Fabio, aujourd'hui ce que je te propose c'est de te kidnapper pour passer une journée type avec toi. Ça te dit? Pas de soucis. Je finis mon footing et puis on se rejoint à la maison. On fait ça? Ok. À tout de suite. À toutes. Ah, la demeure du champion. Voilà, c'est ici que ça se passe. Bah, je vous fais visiter, voilà, là on est dans la cuisine, voilà. Là on arrive dans mon salon, voilà, il y a... La petite famille. La petite famille qui est ici en train de jouer avec ma fille. Je vais me faire un petit déj avant de commencer la journée, quoi. Qu'est-ce que tu vas te faire? Moi le matin, habituellement, j'aime bien me faire un petit shake. Un petit shake de protéines, en fait. Voilà, je déjeune pas trop, en fait. Mais je me fais juste un petit truc plein d'énergie, exactement. Bah, je vous fais voir mon petit déjeuner type. Un petit lait végétal, en fait. J'ai décidé d'enlever de mon alimentation tout ce qui est produit animal. J'évite les produits laitiers aussi, tout ce qui est fromage, tout ça. Donc végétarien, vegan? Pas vegan, non. Pas vegan parce que je mange du poisson, je mange des fruits de mer, mais je mange plus de viande, en fait. Flexitarien, on appelle ça comme ça. C'est ça. Donc voilà, je cherche mes petites protes, elles sont là. C'est pareil, c'est de la prote végétale. J'aime bien mettre un petit peu de flocons d'avoine aussi. Flocons d'avoine, c'est bon aussi, c'est plein de fibres. Ensuite, on met un petit peu de miel pour le goût aussi. C'est pas mal. Et j'ai oublié, le plus important, c'est la petite banane. Mais là, on a un vrai cocktail énergétique. Voilà. Le petit déjeuner du champion. Et après, on mixe tout ça. Hop. C'est sympa ici. Ouais, c'est pas trop mal, on est plutôt bien sur la petite terrasse. T'as fait en sorte de te créer un havre de paix ou... Ouais, exactement, ouais. C'est un peu ton jardin d'Eden, tu te recueilles ici. Avec le petit hamac pour faire la sieste. Je suis bien, ouais. À quoi elle ressemble, la vie de Fabio Pinka? Je suis beaucoup en mouvement, j'ai besoin de beaucoup d'activité, en fait. Et voilà, donc une journée type, c'est entraînement le matin. Ensuite, je m'occupe un petit peu de la gestion de ma salle l'après-midi. Et re-entraînement le soir, voilà, comme tu le sais, une vie de boxeur, ben, ça prend beaucoup de temps dans l'entraînement. Alors justement, toute ta vie, à toi, elle tourne vraiment autour de la boxe. Ça occupe 100% de ton temps. Ouais. T'as jamais eu envie d'avoir d'autres occupations, de dire tiens, j'essaierai bien ça? Non, jamais. Pas le temps, quoi. Pas le temps. Moi, quand je fais les choses, j'essaie de me mettre à 100%. Enfin, c'est pas j'essaie, c'est je fais les choses à 100%. Et quand je fais les choses à 100%, bah, j'ai pas le temps pour faire autre chose, quoi. C'est un mélange de plein d'émotions, plein de sensations, quoi. Mais c'est fort, et puis ouais, ça en devient une drogue après avec le temps. Fabio Pinka a donc peur parfois? Peur, non, bah, j'ai peur de la défaite. J'ai peur de la défaite, c'est quelque chose que je supporte pas. Ouais. Et voilà, ma peur, elle est pas dans le combat en lui-même, mais plus dans la peur de perdre, en fait. Bah, d'ailleurs, en parlant de ça, on va y aller, parce que j'ai un combat à préparer, moi, il faut que je m'entraîne. Ah bah, écoute, je finis mon petit-déj et puis on... Allez, on y va. Allez, c'est parti, let's go.
sommes dans la métropole de Lyon, un secteur auquel Fabio Pinca est attaché. C'est à Saint-Priest qu'il apprend à donner son premier coup de poing, puis très vite se rallie à la team Nacerca de Saint-Fond, afin d'y découvrir les joies de l'excellence. Un champion indomptable qui prend son indépendance à l'âge de 30 ans en créant son premier club dans la ville de Lyon, Ringside. Est-ce que tu te verrais vivre un jour ailleurs qu'à Lyon? Un jour, pourquoi pas? Aujourd'hui, pas aujourd'hui. C'est vrai que ça m'a déjà traversé l'esprit. Voilà, j'ai pas mal voyagé grâce à la boxe, donc forcément, tu penses un petit peu de temps en temps à t'expatrier quelque part, en Thaïlande, aux États-Unis et tout. Mais finalement, t'as beau faire le tour du monde et tu te rends compte que t'es pas trop mal en fait chez toi. En France, on est bien. J'ai fondé ma famille ici. J'ai essayé de faire des business ici. Donc pour l'instant, je suis bien à Lyon, quoi. T'as trouvé ton équilibre ici? Exactement. Alors Fabio, j'ai une surprise pour toi. Cette surprise se trouve dans cette mallette. Donc je te laisse découvrir ce qu'il y a dans cette mallette. Hop, on va l'ouvrir. On va faire un poker. Non, c'est pas un poker. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais. Voilà, donc on a fait de grosses investigations pour retrouver cette photo d'archive. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il y a dans cette mallette et ce qu'on y voit? Bah, des photos d'enfance, de moi gamin. Et quel souvenir tu gardes de cette enfance? Là, je devais avoir 3 ans, là. Ouais, j'étais un enfant, en fait, assez turbulent. C'est vrai? Assez agité, assez speed, assez excité, quoi. Donc, aujourd'hui, on peut dire ça, on peut appeler ça un enfant hyperactif. Ma mère, elle disait juste que j'étais chiant, en fait, elle disait pas que j'étais hyperactif. Mais ouais, j'avais beaucoup d'énergie en fait, et du coup, ben voilà, je parlais de mon grand frère, ben on faisait que de se taper dessus avec mon grand frère, quoi. On a passé notre enfance à faire des fights ensemble. D'ailleurs, il y a une photo où j'ai mon premier cocard. C'est marrant parce que je dois avoir l'âge de ma fille en fait, là, ouais, sur celle-là. C'était déjà annonciateur. Ouais. Un superbe destin. C'est une carrière. Ouais. Alors, il y a d'autres photos. Là, on te voit avec ta fille. Ouais. Qu'est-ce que ça change dans la vie d'un homme d'avoir une fille? Dans la vie même d'un homme, mais d'un boxeur surtout. Parce que c'est quand même une sacrée rigueur de vie d'être boxeur. Et d'un seul coup, il y a un paramètre qui s'ajoute. Il faut penser à quelqu'un d'autre qu'à soi. Mmh. Parce que finalement, les sportifs sont un peu autocentrés par moments. Et là, d'un seul coup, on ne peut plus être autocentré. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie d'avoir un enfant? C'est un grand bonheur. C'est un grand bonheur. Je pense qu'aujourd'hui, ma plus grande fierté, elle n'est pas dans tous les titres que j'ai gagnés, mais plutôt dans ce petit bébé-là. C'est vrai, finalement c'est ta plus belle victoire, c'est ta plus exactement, belle. Exactement. Ta plus belle création. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus important que ça dans ma vie, quoi. Mais alors quand on a un enfant, j'imagine que ça change beaucoup de choses au niveau de l'organisation. Il faut s'adapter, il faut adapter son emploi du temps, il faut être plus présent. Ça change un petit peu, mais c'est vrai que j'ai de la chance aussi d'avoir une super femme qui s'occupe de ma fille et qui me laisse l'opportunité encore d'avoir du temps pour me consacrer à un père. Ça, c'est important d'avoir cet équilibre familial, justement, cette complémentarité. Bien sûr, bien sûr. Donc boxeur, papa, mais pas seulement, tu as d'autres facettes et je te propose qu'on aille en découvrir une nouvelle. Ça dit ? Marche, ouais, pas de soucis. Allez, on reprend la route. Allez, on y va. Je reprends la mallette. Hein. Tiens. Le ring ne suffit plus à Fabio. Ses aspirations et ses ambitions ont évolué au fil des années. Formé à l'école de la débrouille, il aspire désormais à dépasser ses limites au niveau professionnel. Et cette journée a une saveur particulière. Car aujourd'hui, c'est le lancement de sa seconde salle de sport de combat, le Ringside de Dardilly. Ils viennent pour la première fois découvrir la salle, tu vois. Histoire qu'on voilà, on a un petit peu d'informations sur eux, savoir qu'est-ce qu'ils recherchent, ce qu'ils recherchent, comment ils ont connu, s'ils ont déjà pratiqué un sport de combat, tu vois. T'as déjà créé un premier Ringside, c'est ton deuxième. Alors, quels sont tes projets en fin de compte? C'est de créer une franchise.
Développer un maximum ces deux salles. Après, dans un deuxième temps, pourquoi pas développer ça en franchise aussi, ouais. Disons que par la suite, ben voilà, je consacrerai toute l'énergie que je consacre aujourd'hui dans mes préparations et dans mes entraînements, ben, je le consacrerai au développement de mes salles. Donc a priori, ça devrait marcher. Bah, on va essayer, on va faire tout pour. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que tu mets tous tes projets d'avenir sur le même piédestal que la boxe ou pas ? Aujourd'hui, quand je prépare des combats, vraiment, je me consacre à 100% sur mes combats. J'ai de la chance aussi d'être entouré d'associés qui me donnent un coup de main justement sur la gestion de ces salles et mes projets. Alors l'idée, c'est vraiment d'avoir une équipe solide autour de soi, avec des compétences variées, parce que mine de rien, avoir un business, ça demande des compétences en organisation, dans l'administratif, dans la gestion. Toutes ces compétences, tu les avais déjà ou tu t'es entouré? Comment tu t'y es pris? Bah non, j'ai un petit peu appris sur le tas et je me suis beaucoup entouré. C'est sûr qu'on peut pas tout faire tout seul et oui, on n'a pas les compétences. Enfin, j'ai pas les compétences. Voilà, je suis conscient que j'ai pas les compétences pour tout faire. Donc du coup, je me suis entouré de bonnes personnes et. Et puis voilà, j'aime la création d'entreprise aussi, j'aime les nouveaux projets, j'aime les nouveaux défis, comme je le disais tout à l'heure dans la boxe. Et ben c'est pareil, là c'est un nouveau défi, c'est la création d'entreprise, c'est autre chose, mais ça me plaît aussi. Donc voilà, je vais tout faire pour que ça marche. On a besoin d'investisseurs, de gens qui parient sur toi, t'as besoin d'avoir des partenariats, des sponsoring, comment on s'y prend pour lancer une aussi grosse salle ? Sponsoring, non. Partenariat, non. C'est pas évident de trouver des partenariats financiers dans ce domaine-là, donc on se débrouille un petit peu tout seul. D'accord. Voilà, je me suis associé avec des potes, voilà, on a mis nos compétences et nos économies en commun. Et voilà, on a réussi à lancer le truc. Donc Fabio, est-ce que tu as eu durant ta carrière des moments un peu difficile, des épreuves à surmonter, que ce soit à la fois au niveau sportif ou au niveau peut-être même personnel? Ouais, disons que j'ai eu une grosse épreuve à surmonter. En fait, c'est une grosse blessure. Début 2014, lors d'un combat en fait à la Nuit des Titans à Tours, je me casse l'avant-bras en fait. Mais attends, tu ne t'étais jamais blessé en 15 ans de carrière? Ouais, c'est ma première vraie blessure. Ouais, c'est ma première blessure. À part des petites coupures sur le visage, j'ai jamais rien eu avant ce moment-là, quoi. Ouais, alors finalement, c'était un grand malheur, mais en même temps, ça fait aussi partie du process normal quand on est sportif de haut niveau, ouais. La blessure. Ouais, c'est vrai que ça fait partie, mais après, c'est toujours difficile à digérer, surtout quand t'es en pleine ascension, enfin, pas ascension, mais t'es plutôt coté, plutôt vachement demandé. J'avais pas mal de combats programmés. Donc ça a été dur pour moi d'accepter ça, surtout quand ton chirurgien te dit que c'est fini, quoi, tu peux faire une croix sur la boxe. Ah ouais, il t'a dit ça? Ouais, il m'a carrément dit ça, ouais. Donc, mais toi du coup tu ne l'as pas cru, tu t'es dit non, c'est impossible. Ouais, je l'ai pas cru. Enfin si, au début tu le crois, t'as un petit moment de doute, d'incompréhension et tout. Et puis après tu te dis non, c'est pas vrai, c'est pas possible, quoi. Je peux pas arrêter du jour au lendemain, ne plus rien faire, plus faire de sport et arrêter la boxe alors que je suis en plein dedans, quoi. Ce qui me fait avancer, c'est d'avoir des défis. C'est d'avoir des challenges, c'est de relever des challenges. Mais aller te battre, c'est quelque chose qui t'excite, quoi, vraiment? Ouais, c'est quelque chose qui m'excite. J'ai besoin d'avoir Déjà, j'arrive pas à m'entraîner sans avoir un objectif. Et ouais, j'ai besoin d'avoir de nouveaux challenges chaque jour, quoi. Et après, voilà, aujourd'hui, j'ai aussi mon club à faire tourner. Je trouve que je me dois aussi de donner l'exemple aussi. Je coach aussi quelques élèves, j'essaie de les amener en compétition et je pense que c'est important aussi pour moi de leur montrer le chemin à suivre. Tu te donnes combien de temps encore en tant que boxeur ? Je me fixe pas de limite. Je me fixe pas de limite. Tant que je continue à kiffer, je continue. En attendant, pour l'instant, j'ai toujours l'envie, je prends toujours du plaisir. Voilà, les résultats sont là, donc la question, elle se pose pas encore. On voit souvent dans la boxe des boxeurs qui ne veulent pas quitter le ring, mais arrive un moment où c'est le ring, c'est la boxe qui quitte les boxeurs. Comment toi, tu aimerais finir ta carrière ? T'aimerais finir sur quoi ? Ouais, moi, je veux pas faire le combat de trop, donc voilà. Après, il y a un moment où il faut être réaliste, et quand on commence à prendre de l'âge et voilà, à ressentir un petit peu la fatigue ou à sentir une différence de niveau par rapport à des jeunes qui arrivent, je pense qu'il faut se poser la question et se dire voilà, est-ce que j'ai encore le niveau pour continuer, est-ce que j'ai encore la dalle pour y aller.
Mais voilà, j'en suis pas encore là, encore une fois. Ouais, c'est j'ai ça. 33 ans. T'es au top niveau. Voilà, si tu me parlais de ça il y a 10 ans, j'aurais pensé que 33 ans c'était la fin, mais aujourd'hui je me sens pas sur la fin encore, quoi. Je pense que j'ai encore de belles choses à faire, j'ai encore des défis à relever, j'ai encore pas mal de projets et. Quels sont les mots que tu aimes entendre avant un combat? Quelle est l'attitude de tes proches, de tes coachs ou de tes amis que tu aimes? Qu'est-ce que tu apprécies avant tes combats? Avant mes combats, j'apprécie du calme en fait. Je suis pas quelqu'un qui a besoin de se booster ou de qu'on motive ou qu'on excite parce que ça vient tout seul en fait. Une fois que je suis sur le ring, j'arrive à me transcender tout seul. J'ai plus besoin de calme, d'être tranquille, de rigoler avec mes potes qui sont aujourd'hui mes coachs, c'est mes potes. Donc toujours dans une bonne ambiance. Si je sens un petit moment de faiblesse ou un petit moment de doute, j'aime bien aussi sentir du réconfort de la part de ma famille. Avant un combat, je passe toujours un petit coup de fil à ma femme, à ma fille, à ma mère. Voilà, juste de parler comme ça, ça m'apaise et ça me fait du bien. J'ai juste besoin d'être apaisé, j'ai pas besoin de me motiver plus que ça. Quoi. Et alors, est-ce qu'il y a une musique que tu aimes écouter avant tes combats qui te transcende ou même avant l'entraînement, des musiques qui te motivent vraiment? Ouais, il y a un son en particulier que j'aime beaucoup. Okay. C'est le son de Nas, Hit Me Now. Alors, c'est marrant parce que dans ce clip, justement, Nas porte sa croix, il est seul contre tous, il se fait fustiger par tout le monde. Est-ce que toi, t'as parfois l'impression d'être seul contre tous comme ça? Pourquoi cette musique te parle? Ben ouais, tu te sens un petit peu seul contre tous parce que déjà, la boxe, c'est un sport qui voilà, quand t'es sur le ring, t'es seul. Tu peux compter sur personne, t'as pas une équipe avec toi. Et puis voilà, quand tu commences à faire des résultats aussi, ben tu suscites un petit peu de jalousie aussi. Et puis j'aime bien ce son, j'aime bien les paroles et ça. Voilà, les paroles elles parlent d'elles-mêmes quoi. Et le fait de se sentir seul contre tous, toi quelque part ça te transcende ça? Ça me transcende, ouais. Il y en a beaucoup qui aiment boxer à domicile. J'aime pas spécialement boxer à domicile. Moi d'accord. Je préfère boxer à l'autre bout du monde quand tout le monde est contre moi, là je me sens bien conquérant. Au top et conquérant et c'est là où je me transcende. Bah écoute, regarde, tu sais ce qu'on va faire? On va écouter ta musique, parce que là, il est l'heure d'aller s'entraîner. Donc on va te transcender un petit coup pour l'entraînement, ça te dit? Ça, c'est bien, c'est une bonne idée, ça. Allez, on va faire ça. Picture me rolling, sixes, money falling, bitches, honeys that swollen, the riches, knives get in ya, most critically acclaimed, Pulitzer, prize winner, best storyteller, thug narrator, my style's greater, model data, big threat to a lot of you haters, commentators, ringside, try watching my paper, almost a decade, quite impressive, most of the best is in the essence, but this rap shit that I stand for, expanding more to... Voilà, on y est. Ouais, on y est, ça y est. Parti pour l'entraînement, t'es prêt? Et toi, est-ce que t'es prêt? Pourquoi? Tu vas faire mon sparring, c'est ça? T'inquiète pas, moi je suis toujours prêt. Toi? Allez, ouais, vas-y, va. On va voir ça. Hello! Ça va, t'as bien? You wanna hate me, then hate me. What can I do but keep getting money? Funny, I was just like you. I had to hustle hard, never give up until I made it. Now y'all saying that's a clever nigga. Nothing to play with. Hate on me. I blew, but I'm the same OG. People warn me. When you on top, there's envy. Took my niggas out the hood, but you doubt on us. Saying we left the hood, but can't get it out of us. My bad. Should I step on my shoes? Fabio, oui, je peux dire que je suis fan de son parcours. Du boxeur qu'il est et surtout de l'homme qu'il est et de tout ce qu'il peut m'apporter dans la boxe et en dehors de la boxe. Dans mon coin, quand j'étais dans mon coin lors d'un fight, c'est sûr que je suis rassurée parce que voilà, on fait la préparation ensemble. Quand je monte dans la cage et quand je suis dans le ring, forcément il est à mes côtés, donc bien sûr ça me rassure. C'est connu au collège et on a commencé la boxe Nasser ensemble, on a évolué en tant qu'athlète ensemble. Et puis au jour d'aujourd'hui, on a ouvert une salle ensemble et il m'a proposé justement de lui donner un coup de main parce que moi j'ai mis un terme à ma carrière de Muay Thai. Et voilà, c'est ce que je fais et puis apparemment ça marche bien donc on est content. Alors Fabio, c'est quelqu'un très réservé, difficile de venir lui parler ou pas dans le sens où il va vous refroidir, mais c'est qu'il est très réservé, très pudique. Donc il accorde pas trop sa confiance à tout le monde. Et voilà, il est très, très orgueilleux, je pense que ça l'aide dans le ring. Il a un très très gros mental, une très grosse fierté. Et voilà, il est très très sérieux à l'entraînement, je pense que c'est sa grosse force.
like it's there to choose. Yeah, just forget the wins, it's the best to use. Quelle est la particularité de Fabio quand il tourne, c'est... qu'est-ce qu'il rend fort? La particularité, c'est qu'il a 5 poumons. Donc il a la capacité de récupérer très vite et de repartir tout de suite au travail. C'est son physique qui fait la différence? Souvent. Il y a la tête aussi. Et l'expérience commence à arriver. Donc voilà, au bout de 140 fights, il commence à connaître son travail. On a l'impression qu'il boxe beaucoup aussi sur la faute de l'adversaire. Bah alors, moi je suis là pour qu'il prenne moins de coups, qu'il soit plus efficace, sans donner plus de coups, c'est-à-dire qu'il soit plus précis, moins touchable surtout, pour qu'il puisse gagner sans se blesser, sans trop prendre de risques, et continuer encore sa carrière pendant un petit moment. Parce que ce qui est drôle en fin de compte, c'est que vous êtes à la fois amis, mais en même temps tu le coach, vous êtes une bande of fighters. Oui, on était amis, partenaires dans la même équipe en tant que boxeur. Et aujourd'hui, voilà, je suis son ami, second entraîneur, on va dire, même si le travail est déjà fait. Moi, j'amène juste mon coup d'œil. Et je vais filmer, j'arrive. Allez, ça repart très fort avec Fabio qui impose son rythme, qui monte crescendo, donc au fil des rounds. Le rythme qui s'intensifie, donc c'est vraiment une particularité du Muay Thai, ça aussi, d'avoir ce premier round d'analyse, et puis ensuite on intensifie. Superbe les middle contrés derrière en boxe anglaise par Michael Piscitello qui essaye d'être imprévisible. Les projections qui prennent énormément d'énergie quand on se relève, c'est toujours très compliqué de revenir au combat. Travail de sape au corps, il continue, c'est vraiment un gros travail de pressing de Fabio. Attention, il a été saisi. Ouais, superbe. Allez, à toi. Là, je crois que j'ai peur. Hein. Ok, allez, c'est parti. T'es sûr que t'es prêt, hein, Fabio? Ne me sous-estime pas, t'es sûr? Merci, José. Ah, je rigole. Je parle à Fabio. In the back street bells in the neon lights. When I heard the thunder, I could feel the rain. Il m'a presque mis un KO fou avec ses front kicks. Ouais. Oh ouais, c'est l'entraînement de l'année, je confirme.
Écoute, c'est le jeu, t'es Fabio King, j'ai pas honte. Fabio, on va te laisser t'entraîner maintenant parce que t'as des combats à préparer. Merci pour tout. Ouais, merci à vous. Merci pour ta disponibilité. Je suis content d'avoir pu découvrir une journée typique de ta vie. Conclusion donc de cette problématique. Être un boxeur, c'est bien, mais derrière, faut savoir rebondir. Voilà, toujours penser au futur parce qu'une carrière de boxeur, bah, ça dure pas toute sa vie. Et voilà quoi. Essayer d'anticiper, être intelligent. Toi, tu le fais à merveille. J'essaye. Faut le dire ça aux jeunes du coup. Bah ouais, faut dire que... Tu mises tout sur la boxe, on peut pas mettre tous les deux dans le même panier. Voilà, faut assurer un avenir parce que la boxe, c'est pas forcément un avenir pour tout le monde, quoi. Super, merci pour cette conclusion. Et à très vite. Allez, merci pour tout. Bye. It's a new day. It's a new life. Voilà, Road to Fight, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle aventure et surtout un nouveau champion. D'ici là, gardez la forme. Bye. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Ah, tu vas doucement, hein, Lucie, tu vas pas comme une tarée. Hein. Est-ce qu'on est bon?